Eh bien, c'est le week-end et vous vous dites « Oh non, plus jamais je ne ferai greffer des palettes de ping-pong sous la plante des pieds de ma vieille mère afin de lui éviter le service militaire pour cause de pieds plats. » Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de maître Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine, Bruno ?» Bonjour. Bonjour, Marc. Et bravo pour la photo dans la presse d'hier. C'était magnifique. Merci beaucoup. Bravo pour ta nomination. Je l'ai pas dit. Merci, Bruno. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va bien? Oh, ça va très bien, toi. Oui, ça va très bien. Oui, écoute, aujourd'hui, étant donné que c'est la Saint-Valentin, j'ai décidé de m'impliquer émotivement, si tu veux, d'être un peu plus sérieux qu'à l'habitude. Et j'ai préparé, au lieu de petit gag, j'ai préparé une espèce d'histoire d'amour, si vous voulez, une histoire d'amour qui finit bien. Il n'y a absolument aucune surprise. Et vous allez voir, là, la raison pour laquelle je suis habillé comme ça, c'est que je voulais faire ma présentation en Cupidon, tu comprends, de l'histoire d'amour. Alors, à la fin de ma présentation, vous allez voir, je tire cette flèche comme ça, qui va entrer à quelque part dans le sketch. Tout ça, c'est très, très, très conceptuel. OK. Alors, je vais juste me concentrer un petit peu, puis je vais faire le Cupidon, si tu veux bien. Oui, oui. D'accord. Soul. Tu vas-tu déjà? T'as comme quelque chose dans la tête? Voulez-vous-tu prendre pour époux le gars? Le gars, voulez-vous-tu prendre pour épouse la fille? Faut! Soit, vous serez désormais mari et faut. Va-t'en dehors! C'est le plus beau fuck que j'ai jamais entendu. C'est pas fini. M'entendu plein. C'était très touchant. C'était bien. Nous allons faire une petite pause. Merci, Bruno. Merci, Marc. Bonne Saint-Valentin, Bruno. Aussi.